Bonsoir à tous, c'est Fantôme, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Nexion. Écoutez, dans le dernier épisode on avait pas mal farmé et on devait atteindre les millions de blocs, ce qu'on a fait. Et du coup j'ai eu l'occasion de beaucoup beaucoup miner et regarder mon inventaire est full diamant. Et comme on peut voir dans la gestion des compétences, j'ai maintenant 15% de boost de monnaie. Donc très clairement ce qui va se passer au shop, c'est que le diamant je le vends à 2 et là maintenant je vais le vendre à 2,6. Donc tout vendre et ça m'a rapporté 4121 monnaie. C'est énorme, c'est juste énorme. Et écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle farm à nouveau parce qu'on s'est à nouveau fait piller. On s'est pillé tous les jours, maintenant j'ai l'impression sur Nexion, c'est vraiment compliqué. En plus on a un spawner juste ici qui est chiant parce qu'en plus on peut plus les casser les spawners. J'ai essayé avec un arbre et tout mais ça marche même pas. Donc c'est vachement dommage. Mais en tout cas, aujourd'hui, on va récupérer une tonne de minerais. Là, vraiment, je sais pas si vous voyez, mais en tout cas, on va pas rigoler. Il y a une quantité juste immense de titane, d'iris et d'opale. Et normalement, je pourrais level up un ou deux niveaux. Ce qui est à peu près sûr, normalement. Voire même peut-être plus, on sait pas vraiment. Parce que je le rappelle, j'ai une nouvelle pioche qui a un boost d'expérience de clash marchande de niveau 3 avec fonte et fortune 3. Et dans mon EC, j'ai aussi une pioche de richesse, boost de classe marchande de niveau 3. Donc écoutez, ça c'est parfait. On verra ça un peu plus tard dans la vidéo. Et écoutez, c'est parti pour vous montrer la pioche qu'on a au minage. Et voilà, au minage, on a cette magnifique pioche. Donc la pioche du mineur légendaire qui mine du 3x3x3. Et encore, on peut encore plus la cheater parce qu'elle peut miner, boum. Je crois que c'est du 6 par du 3 par du 6, du coup. Mais genre, c'est vraiment immense. Et du coup, ça permet de miner à des vitesses juste abusives. Bon, à part quand il y a de la lave, ça c'est assez chiant. Mais en tout cas, on peut vraiment miner des quantités immenses de minerais avec cette pioche. Ce qui est pas mal. Mais écoutez, on va de suite passer au boost de notre classe. Je vais faire un petit timelapse quand on va poser les minerais. A tout de suite. Ok, c'est bon, j'ai terminé de poser tous mes stacks. Alors regardez, c'est énorme, sachant que là, il y a une épaisseur de 4. Donc là, il y a 4 d'épaisseur, je vais vous montrer, c'est vraiment juste immense. Et là, normalement, en vrai, je pense on peut passer 3 niveaux peut-être. Après, je sais pas, ça fait peut-être beaucoup 3 niveaux, mais en tout cas, j'espère qu'on va passer ces 3 niveaux. Et même plus si jamais il faut, voilà, pourquoi pas. Ok, et donc du coup, on va faire un slash class qui va nous permettre de voir combien il nous manque d'XP. Donc là, comme on voit, il nous manque 21131 XP. Donc ça va permettre de savoir à la fin combien on a gagné d'XP. Sachant que dès qu'on monte d'un niveau, ben, je vais re-récupérer. Enfin, en gros, je vais revoir combien il nous faut d'XP pour à nouveau level up jusqu'à qu'on ait fini tous les minerais. Sachant que, je le rappelle, je vais miner avec un boost d'XP de clash marchand de niveau 3. Que ce soit ben, pour l'opale ou l'iris. Et après, pour tout ce qui est titane et random or, je vais miner avec cette pioche-là, qui est solidité 3 et boost de clash marchand de niveau 3. Et bon, bah, de toute façon, je vais devoir la repair, sûrement celle-là aussi, en vrai, parce que il reste plus beaucoup de Jura. Mais en tout cas, je vais miner, je vous retrouve après. Je vais faire un timelapse, en fait, quand je vais miner, ça va être intéressant, je pense. A tout de suite. Ok, et là on va bientôt monter, voilà, ok, je risque de monter, ok, bah, tout simplement. Alors du coup je suis passé au niveau 16, et maintenant slash class, je vais regarder, il me faut 31684 XP, alors je vais prendre juste le truc juste au-dessus, donc 31790, donc écoutez, hop, je mets plus 31790, et du coup je vais continuer à miner, donc là comme vous avez vu on a quand même bien miné. On va passer à de l'iris qui va me donner un peu plus d'XP, donc écoutez, à tout de suite. Ok, là on a pas mal, 29 000, là, peut-être qu'on va monter d'un niveau. Hop, ben non, mais en tout cas il manque pas grand chose. Alors écoutez, ah ben j'ai jamais miné du titane, ok bon.
Écoutez, on va faire une petite. Enfin, maintenant, en fait, je vais miner tout simplement avec cette pioche. Juste ranger un peu. On va voir à la fin les quantités, mais à mon avis, ça va être juste énorme. Donc là, il ne manque pas beaucoup pour monter d'un niveau. Je vais juste ranger les minerais. Et je vais continuer à miner, mais cette fois avec la pioche qui double les minerais, donc la pioche de richesse. Et on va voir un peu combien on en aura à la fin. Ok, donc là, normalement, on va bientôt monter d'un niveau. Alors, on va voir là, normalement, oui, là, on va bientôt monter là. Attends, plus beaucoup, on va monter. Faut que je fasse attention à la dura de la pioche. Ouh, on gagne beaucoup de gemmes, hein, d'ailleurs. Ça, c'est bien, parce qu'en plus, ça double aussi les gemmes. Ah, c'est bon, un autre niveau, putain. Là, je suis content. Donc là, niveau de classe, niveau 17, c'est vraiment énorme. Alors, slash classe. Maintenant, je vais regarder, maintenant, il me faut 33 500. Donc en gros, là déjà, pour le moment, on s'est fait 52 921 XP. Ça m'étonnerait là qu'on level up, donc tout simplement, je vais rester comme ça. Et après, je vais voir à la fin combien il me manque, et je vais déduire. Et en fait, ça va me donner combien je me suis fait de d'XP, tout simplement, voilà. Et comme vous avez vu, en fait, j'ai eu des fragments, donc là, par exemple, de vie et de terre. Et en gros, vu que je double les minerais, et bien ça me double aussi les fragments qui sont rares à avoir, voilà. Par exemple là, voilà, c'est pour ça que j'ai eu 2 titanes et j'ai eu 2 fragments de réparation. Donc ça, c'est vraiment bien parce que c'est rare en fait à avoir ça. Donc c'est vraiment bien. Et du coup, je vais continuer tout en regardant bien la dura, parce que voilà, la dura elle part assez vite sur ce genre de pioche. Écoutez, on se retrouve à la fin. On va faire le point sur tout ce qu'on a eu. Mais à mon avis, ça risque d'être énorme. À tout de suite. Ok, donc là, je sais pas si vous avez remarqué, mais là, je vais bientôt finir ma quête farming de niveau 10. Et c'est fait. Donc là, je viens de terminer avec 7400. Ça donne vraiment beaucoup trop d'XP. C'est juste trop bien. Regardez les quantités de stuff. Et donc là, maintenant, je vais de suite voir. Qu'est-ce que c'est la prochaine quête? Alors, je me suis un peu trompé. Hop. Donc, quête farming. Donc là, on a fini la 10e. Donc, c'était celle-là. Donc là, il me manquait miner 200 minerais avec la pioche de richesse. Et maintenant, prochaine quête, c'est miner 150 blocs de minerais de titane et récolter 750 myrtilles. Donc là, les 750 myrtilles, on va pas les faire cet épisode. Mais en tout cas, les 150 titanes, là, je peux vous assurer qu'il y en a au moins, je pense, 300 titanes. Donc, je vais le faire, clairement, là, ça va être vraiment très simple, ça. Et les, 105, enfin, les 750 myrtilles aussi, ça va être simple. Mais quand on aura fini notre farm, là, pour le moment, c'est pas du tout le cas. Mais en tout cas, on avance bien. Regardez, là, mon XP, là, on est déjà presque, pratiquement à la moitié. Donc, vraiment, ça donne vraiment des quantités d'XP juste impressionnantes. Et maintenant, avec le titane, je pense que je vais gagner même encore plus d'XP. Donc, ça va être bien. Donc, écoutez, je vous retrouve maintenant à la fin. À tout de suite. Ok, et en fait, au final, je vais monter d'un niveau. Alors là, c'est vraiment ouf. Là, ce qui est en train de se passer, je suis monté de 3 niveaux. Et voilà, je suis remonté d'un niveau. Donc là, niveau 18, c'est juste abusé. Bon, maintenant, c'est clair et net. On n'arrivera pas à monter d'un autre niveau. Parce qu'il ne me reste plus qu'un étage. Mais en tout cas, là, ce qu'on peut voir, c'est que là, déjà, j'ai beaucoup d'XP. Donc écoutez, on va voir maintenant à la fin à combien je vais être d'XP. Là, maintenant, je sais, j'ai le chiffre devant mes yeux, mais il manque encore là le chiffre qui va s'afficher, enfin la différence en gros des deux, et je vous dirai à la fin combien j'ai gagné d'XP. Alors ça va être vraiment impressionnant. Donc écoutez, j'ai juste hâte de terminer et de voir combien j'ai d'XP. Donc à tout de suite. Ok, donc là j'arrive à la dernière ligne droite. Là on est à 5000 XP. On va voir après combien on va être. Je vais faire un peu là les calculs et après je vous mettrai tout simplement combien j'ai eu. En tout cas, je vais vous montrer maintenant mon inventaire. Je pense que vous allez un peu rigoler même. C'est relativement drôle, la quantité que j'ai de stuff. Mais voilà, j'ai beaucoup, beaucoup de titane. Donc écoutez, je vais faire tous les calculs qu'il faut. Je vous dis après combien j'ai atteint. J'espère que c'est 6 chiffres. J'espère en tout cas que j'ai atteint 6 chiffres d'XP. Ça serait vraiment ouf. Et écoutez, je vous retrouve plutôt juste après. À tout de suite. Ok, et j'ai l'honneur de vous annoncer qu'on a atteint les 102 000 XP. Donc il y a bien 6 chiffres. Et j'ai bien gagné 3 niveaux, ce qui est juste énorme. Et donc du coup, les quantités de stuff sont maintenant réparties dans ce coffre. Donc voilà, comme vous voyez, on a quasiment un peu le même nombre, je veux dire, de titane et d'iris. Mais c'est tout simplement que le titane, je l'ai doublé, contrairement à l'iris, qu'on ne peut pas vraiment doubler, à part, enfin, en vrai, on peut la doubler, mais ça coûterait trop cher par rapport à ce que ça nous rapporterait. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de ne pas le doubler, mais par contre, le titane, on a des quantités juste immenses. Là, on peut faire plus de 1 stack de minerais réels, donc c'est vraiment énorme.
Et on a de quoi faire à peu près, je pense, à peu près un peu plus de 10 blocs, je pense. Donc c'est vraiment pas mal. Maintenant, si vous vous souvenez de ma dernière vidéo, j'avais annoncé un concours sur Nexion. Et voilà les gagnants. On a pain au chocolat, même si je suis plus chocolatine. Mais en tout cas, t'as gagné une houe de replantation. GG à toi. On a Arconix qui a gagné la fossile. Et enfin, on a SPT Thomas qui a gagné la pioche de richesse. Donc toi, t'es vraiment chanceux. N'hésitez pas à me contacter dans le Discord qui se trouve dans la description. Vous le rejoignez et je serai dessus. Et vous m'aimez, vous me dites oui, c'est moi, Thomas. Mais attention, pas de fake, je vérifierai tout simplement les comptes des gens. N'hésitez pas à mettre un like si cette vidéo vous a plu. Si vous voulez un autre concours, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires, sachant que le prochain épisode sur Nexion sortira samedi. Ce sera un épisode un peu spécial, car tout simplement, je vais faire un duel face à un autre YouTuber de Nexion. Donc n'hésitez pas à activer la cloche et à vous abonner pour pas louper ça. C'est vraiment très important. C'était Fonto, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. A plus.